Dès le matin, la machine à vendanger sillonne les rangs. On pourrait croire qu'elle fait tout. C'est vrai qu'elle ramasse les grappes, qu'elle les trie, tout en roulant. Mais elle ne peut pas décider toute seule quand commencer la vendange. Ça, c'est le rôle du vigneron. Pendant les 3 semaines de récolte, Mathieu Carlier passe son temps à goûter le raisin. Vraiment, pour moi, la dégustation, c'est la partie fondamentale de la décision. C'est là qu'on arrive vraiment à apprécier justement le côté aromatique, parce que ce côté aromatique, aujourd'hui, on n'a pas de machine pour le calculer, pour le mesurer. Une fois le muscat vendangé, direction le domaine. Et là, c'est un peu la course. À peine débarqué, le raisin est d'abord égoutté, foulé, puis acheminé vers le pressoir. Le grain pressuré devient un jus trouble, lui-même déversé dans les cuves. Toutes ces actions se font le plus vite possible pour éviter l'oxydation. Le principal objectif, c'est d'être le plus rapide entre la vigne et la cave pour garder la fraîcheur aromatique, pour garder la vivacité, pour garder la netteté aromatique du raisin. Dans le chai, le muscat sec est élevé au frais. 14 cuves en inox et 14 goûts différents au fil des vendanges. Sur le muscat sec, on va avoir par exemple sur des raisins qui sont ramassés assez tôt, un profil plutôt sur le fruit frais, type pêche, abricot ou fruit de la passion, fruit exotique. Voilà. Donc ça, c'est une catégorie. Et puis ramassé un petit peu plus tard, on aura plutôt un côté abricot sec, un côté fleur d'oranger. L'assemblage de ces différentes cuves donne sa personnalité au muscat sec. Le vin séduit les 25-35 ans au détriment du muscat doux plus alcoolisé. Il y a 10 ans, on faisait toute la production en vin doux naturel. Et progressivement, on a baissé la part de vin doux naturel et augmenté notre part de muscat sec. Et aujourd'hui, on fait quasiment 100% de la production en muscat sec. Ici, les fortes températures n'ont pas affecté la maturité du raisin. Le muscat sec 2019 s'annonce prometteur.